Yo tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la Foot Familia. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, toujours en compagnie de Yacine. Salut à tous, j'espère aussi que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo, ça va être une vidéo top 10 des meilleurs buts de Cristiano Ronaldo. Les 7 plus beaux buts de Ronaldo en Ligue des Champions, tous ceux qui kiffent le foot. Même si vous n'aimez pas la personne de Ronaldo, vous savez que c'est un très très grand joueur. Il a fait des performances de ouf et il est entré dans la légende du football. Même si sa carrière n'est pas encore finie, il a marqué l'histoire hein. Plus de 50 buts sur les 3 dernières saisons ou 4 dernières saisons. Bref, on va tout de suite commencer avec le premier but en Ligue des Champions. Les buts, on va les découvrir en même temps que vous et on va essayer de les commenter. C'est parti, je te laisse commencer Yacine. Coup franc contre Bayern Munich, ah, magnifique. Le but, il est magnifique. Pourquoi? Parce que il a arnaqué carrément le mur. En gros, et les gens, ils ont cru qu'il allait tirer au-dessus du mur dès qu'ils ont tous sauté. Ils ont cru qu'il allait faire sa frappe habituelle où il fait tourner la balle, etc., etc. Mais non, il a tiré en dessous du mur. Neuer, il peut rien faire. Franchement, super beau but parce que Neuer, il est masqué par le mur. Franchement, rien à dire. En plus, je me rappelle, je crois qu'ils avaient gagné 6-0 à ce moment-là en Ligue des Champions. Il y aura beaucoup de coups francs. Il y aura beaucoup de coups francs. C'était un super beau match, donc bien joué à lui. Franchement, super beau but. On continue avec le 6ème contre Arsenal et vous allez voir un autre coup franc venu d'ailleurs. Vous avez vu où il est placé sérieusement? Wow. Comment il fait pour marquer? Je me demande aujourd'hui, je regarde encore cette vidéo, comment il fait pour marquer? C'est un truc de ouf, c'est un goal professionnel, les gars. Il a dû mettre une puissance de frappe. Regardez-moi sa puissance de frappe. Il n'y a rien à dire, la balle reste tout droite. Petit filet, c'est excellent et c'est super beau à voir. Même des années après, il était encore à Manchester. C'est très très joli à voir, les amis. Franchement, ah, c'est trop rien à dire. Ouais, mais la balle, elle est puissante. Donc, prochain but, ça va être en Ligue des Champions avec le Real Madrid. La passe-moi-jambe, crochet gauche. Grosse frappe du gauche. Pouf, petit filet droit. Contre Schalke 04. Magnifique. Oh là là. Magnifique. En plus, ça date de pas longtemps ça. Trois passements de jambes, mon gars, pour effacer un défenseur. Super rapide. Regardez comment c'est rapide. 1, 2, 3, boum, t'es fini. Frappe du gauche. Rien à dire. Franchement, il est magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est excellent ce qu'il a fait. Il provoque, c'est rapide, c'est efficace et ça finit par un but directement. En plus, du gauche. Donc maintenant on va continuer le quatrième but contre le Dynamo Kiev, toujours à Manchester United, regardez là, pas de chichi, Cristiano Ronaldo, il enchaîne sur la frappe, petit filet, moi j'appelle ce geste Cristiano Ronaldo parce que c'est lui qui l'a rendu populaire, même s'il existait déjà avant, il le faisait beaucoup à Manchester United et nous à la cité on disait ouais t'as vu le Cristiano, et si, franchement regardez comment il passe crème, il se remet sur son bon pied et il enchaîne sur la frappe, petit filet, franchement il n'y a rien à dire, c'est super beau à voir. Coup du pied et la balle elle tourne pas, elle reste toute droite tu vois. Là en fait là il tire du droit mais même du gauche il la met souvent celle-là. Hein. Il va très très vite, vous avez vu les gars dans son appel en profondeur. Donc on enchaîne tout de suite avec le prochain but, ça va être coup franc. Là il est numéro 9, c'est quand il vient d'arriver contre Marseille. Oh là 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 là, la lucarne qu'il a pris. Mandanda il a pris cher, c'est fou. C'est fou la lucarne qu'il a pris. Vous voyez qu'il est encore numéro 9, c'est quand il venait tout juste d'arriver. Et c'était quand Marseille il tire pas. On dirait, j'ai l'impression qu'il tire pas coup du pied mais plat du pied. Regarde, il ouvre son pied. Ouais, c'est entre les deux, c'est entre coup du pied et plat du pied. C'est un truc de fou ça. Ça fait que la balle elle va tourner et du coup, bah voilà. Ah ouais, d'accord. C'est pas un enroulé, mais je sais pas comment. C'est entre les deux. On va enchaîner sur le deuxième but contre Galatasaray. Regardez-moi ce chef-d'œuvre, il va éliminer plusieurs défenseurs. Il élimine 3 défenseurs les amis, 3 défenseurs et finit par une frappe du gauche. C'est incroyable ce qu'il a fait. Quand j'avais vu ce but, je m'en rappelle, c'était sur Téléfoot, j'avais pété un câble. Regardez, 3 colosses, il les élimine d'une facilité, il finit sur le pied gauche. Même le gardien, il est surpris, tu sais, il se dit, bon, mes défenseurs, ils vont l'arrêter. Il finit avec une frappe surpuissante. Ça, c'est but, c'est magnifique, c'est incroyable. Ensuite, on enchaîne avec le prochain but, ça va être tout simplement Manchester United. Regardez-moi cette frappe. Le plus beau but qu'il ait mis en Ligue des Champions contre Porto. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Il a mis de cette puissance dans sa frappe, les gars. Ce qu'on appelle une cacahuète. Ouais, elle est magnifique celle-là. En plus, il est très très loin, il est très très loin. Il finit en. Pas en lucarne, mais juste en dessous. Et franchement, c'est super beau. C'est trop puissant, on l'a sens la remet encore une fois. Il pousse la balle et bim direct, sans se poser de questions. Magnifique. C'est vraiment très très puissant. On regarde le ralenti, regardez la balle, l'effet. C'est comme les balles en plastique du McDo quand tu mets une grosse frappe. J'espère que ce top 7 vous aura plu les amis. Si vous voulez qu'on fasse ça avec d'autres joueurs, bombardez les pouces bleus. À partir de 5000 j'aime, on essaiera de faire un prochain épisode avec Messi par exemple. Parce que c'est que Messi il a mis des buts de malade mental en Ligue des Champions. Et puis voilà, on va vous laisser la nouvelle vidéo samedi à partir de 13h à peu près. Bye bye. Salut, salut.